Salut, salut les gars, voilà, c'est tout le monde, c'est mon Spita, et là, vous êtes sur la chaîne de Monsieur le Russo 225. Alors, si c'est la première fois devant ma tête, essayez comme ça de vous abonner, essayez aussi de liker la vidéo, voilà, c'est ce qui est primordial, c'est ce qui est bien pour nous tous. Et aujourd'hui, je suis juste là pour vous présenter un peu les contours de la bourse de la Russie. Voilà, j'ai reçu des questions à ce qui concerne les documents que l'étudiant doit avoir pour pouvoir postuler à la bourse de la Russie. Donc, j'ai décidé comme ça de vous donner quelques aperçus pour que vous soyez vraiment concret, vous soyez vraiment sûr et certain des documents que vous allez utiliser. Et donc, on va d'abord repartir sur des bases. Vous devez savoir que la bourse de la Russie est officiellement lancée ici en Russie et que si vous allez sur, pour voir un peu si votre bourse est, si votre État ou bien votre gouvernement a déjà reçu son quota, voilà, vous pouvez aller sur le site et vous allez commencer. Le site, je le mets en description. Vous pouvez déjà aller sur le site et vous allez essayer de postuler. Si vous essayez de postuler que ça passe, ça veut dire que votre quota a été déjà distribué dans votre pays. Voilà, donc ici, n'oubliez pas, la date limite de cette bourse-là, c'est le 1er novembre. Donc, vous avez au moins 2 mois pour pouvoir postuler à cette bourse. Vous allez mettre vos documents et tous les éléments qui vont avec. Voilà, donc aujourd'hui, je suis juste là pour vous présenter les documents qu'il faut utiliser pour pouvoir postuler à la bourse de la Russie. Donc, quels sont les documents? Dans un premier temps, il y a d'abord votre passeport. Je le répète encore, le passeport ou la carte d'identité. Vous pouvez prendre soit le passeport ou la carte d'identité pour pouvoir postuler. Si vous avez bien remarqué, actuellement, il y a d'autres qui ont obtenu la bourse, mais qui avaient postulé avec une carte d'identité. Et maintenant, ils m'envoient des messages pour me demander dans ce cas-là, qu'est-ce qu'ils vont faire. Parce que il y a le gouvernement de Russie maintenant où ils ont été distribués, c'est-à-dire dans l'université où ils ont été distribués, on leur demande maintenant le passeport. Alors que ces personnes-là n'ont pas de passeport, vous comprenez? Donc actuellement, c'est un peu compliqué. Je vous dis et je le répète, sans passeport, vous ne pouvez pas vraiment voyager. Donc vous êtes obligé d'avoir le passeport avant de faire quoi? De postuler. Maintenant, si vous postulez et que vous n'avez pas de passeport, une fois que vous mettez la carte d'identité, essayez de courir, aller faire rapidement votre passeport, parce que si vous êtes admissible et que vous passez les tours, vous allez devoir utiliser le passeport pour la suite. Donc je répète encore, donc moi je privilégie toujours le passeport. Alors le passeport ou la carte d'identité, quand vous finissez, vous prenez le diplôme, le dernier diplôme et son relevé. C'est à dire quoi? C'est à dire que si par exemple vous voulez postuler pour un bachelor ici en Russie, vous devez insérer comme ça votre diplôme de baccalauréat et son relevé. Maintenant, si vous voulez ajouter les diplômes précédents, c'est-à-dire la classe de première, la classe de terminale et la classe de seconde, vous pouvez les ajouter, mais ça n'engage que vous. Mais ce que moi, je veux vous dire, c'est que pour ceux qui veulent faire le bachelor ici, vous devez ajouter que le diplôme de baccalauréat et le relevé qui va avec, le relevé du diplôme. Voilà, donc on a le passeport ou la carte d'identité, on a le diplôme et son relevé. Voilà, maintenant, si vous voulez faire la licence, si vous voulez faire le master ici, c'est-à-dire que vous allez mettre le diplôme de licence, la licence 1, la licence 2 et la licence 3. Voilà. Maintenant, si vous voulez compléter avec le diplôme de baccalauréat, ça n'engage que vous. Vous comprenez? Voilà, vous mettez seulement que le dernier diplôme. Ok. Maintenant, on passe d'abord le passeport ou la carte d'identité, le diplôme et le dernier diplôme et son relevé de notes. Et une fois que vous allez finir, essayez de traduire ces éléments-là. Vous allez maintenant essayer de les traduire. Vous comprenez, les traductions se font en langue russe. Et les traductions qui se font en langue russe, vous pouvez aller à l'ambassade de votre pays, l'ambassade de Russie de votre pays, vous allez leur demander quelle est la structure qui fait la traduction. Eux-mêmes, ils vont vous proposer des structures. Maintenant, s'ils n'ont pas ces structures-là qui font les traductions et que vous ne trouvez pas des particuliers pour pouvoir faire vos traductions, vous pouvez déjà me contacter. C'est mon numéro qui est là. On vous fait les traductions et on vous envoie cela de façon numérique. Voilà, c'est ce que pendant 2 ans, 3 ans, c'est ce que font les autres pour pouvoir postuler à la bourse. Voilà. Maintenant, si votre gouvernement vous dit d'aller traduire dans un endroit, allez-y traduire à cet endroit-là.
parce que c'est très important. Dans un premier temps, suivez vraiment ce que votre gouvernement vous dit pour pouvoir le faire. Si eux-mêmes ils donnent des endroits où vous devez aller traduire vos éléments ou bien aller faire les tests, vous allez les faire tranquillement sans problème. Donc, si vous ne trouvez pas de particulier, de personne pour pouvoir faire vos traductions, vous m'écrivez inbox, le numéro est là, vous écrivez, on va essayer de suivre et aussi essayer de faire vos traductions. Maintenant, après ça, après le passeport ou la carte d'identité, après le dernier diplôme et son relevé de notes, et après aussi avoir traduit, traduction du diplôme et du relevé de notes. Je répète très bien, la traduction du diplôme et du relevé de notes. Je n'ai pas parlé du passeport. Dans un premier temps, le passeport, on ne traduit pas d'abord. Voilà, donc une fois que vous finissez de faire ça, vous allez faire maintenant les tests médicaux. Les tests médicaux, pour ceux qui vont me contacter pour qu'on puisse faire pour eux, je vais vous dire un peu comment est-ce que vous allez faire et tout. Mais comme je suis sur YouTube, ce que je vais faire est très simple. Les tests médicaux, vous allez comme ça faire des tests de VIH, SIDA, des tests de tuberculose, voilà, des tests d'hépatite A, B et C, voilà. Et une fois que vous les avez, ces trois-là, sur ces trois-là qui sont un peu bien, un peu sur les trois-là qui sont élémentaires, voilà, vous pouvez les faire. Il faudra vraiment que l'ambassade reconnaisse, ou bien sur le site, il reconnaisse vraiment ces trois éléments-là. Tuberculose, VIH-SIDA, voilà, tuberculose, VIH-SIDA et aussi, j'ai dit tuberculose, VIH-SIDA et aussi hépatite A, B et C. Voilà, donc les trois là vraiment sont des tests qui sont vraiment élémentaires que vous devez vraiment avoir pour pouvoir compléter à votre document. Maintenant, ces tests là, quand vous allez faire ces tests, ces trois tests dans un même hôpital, vous allez voir qu'ils vont vous donner un test ou bien une fiche qui résume votre état de santé pour ces trois tests. Vous allez voir que là-bas, ils vont saisir un peu et ils vont remplir. C'est ce document là que vous allez légaliser, vous allez traduit en langue russe pour pouvoir compléter au diplôme. Donc, si je dois résumer, on a le diplôme et le relevé de notes, on a le diplôme et le relevé de notes, on a aussi le passeport ou la carte d'identité, on a les tests médicaux, c'est-à-dire hépatite B, tuberculose et puis VIH-SIDA. Donc, vous allez traduire le test ou bien le document qui résume les trois tests médicaux. Voilà, vous allez traduire ça. Vous allez traduire aussi le diplôme et le relevé de notes. Voilà, vous allez mettre tous ces éléments-là ensemble. Maintenant, si vous êtes ici en Russie et que vous voulez postuler à cette bourse-là, et que l'université où vous êtes actuellement, c'est une université vraiment où vous voulez rester pour continuer, vous allez directement voir l'administration, c'est-à-dire l'immigration. Vous leur demandez que, par exemple, vous voulez rester dans cette université, voilà, alors vous avez besoin d'une lettre de recommandation. Et en ce moment-là, ils vont vous donner une lettre de recommandation que vous allez insérer vers la partie. Si vous regardez bien, il y a d'abord les documents, tout, et il y a une partie où ils ont mis les recommandations. Vous insérez là-bas la lettre de recommandation de l'université. Ou bien où ils ont mis autre document, vous insérez là-bas la lettre de l'université. Ça, je parle de ceux qui sont ici. Voilà. Maintenant, ceux par exemple comme ça qui sont dans leur pays et qui passent par nous, par exemple comme ça, pour qu'on puisse les aider à postuler à la bourse, parce que on suit aussi ceux qui veulent vraiment venir étudier. Si vous avez une université vraiment concrète dans votre tête où vous voulez venir, nous aussi on peut retrouver les lettres d'admission pour pouvoir insérer dans cette partie-là pour vous. Voilà, donc les gars, n'oubliez pas, et je le répète encore, ceux par exemple qui veulent postuler avec des BTS, si vous avez un diplôme de BTS et que vous voulez l'utiliser pour postuler, je le dis encore et je le répète, ce diplôme de BTS ici en Russie, ce n'est pas vraiment reconnu. Maintenant, si c'est le diplôme de BTS que vous voulez utiliser, mettez toujours le diplôme de baccalauréat et de baccalauréat et du relevé de baccalauréat toujours avec votre diplôme de BTS. Voilà. Donc, c'est assez important. N'oubliez pas, le diplôme de BTS n'est pas vraiment reconnu ici. Même ceux qui veulent venir ici pour étudier sans bourse, quand on fait leur admission, l'université nous demande toujours d'envoyer le baccalauréat, parce que quand ils vont arriver ici, s'ils doivent reprendre la licence 2, c'est avec assez de négociations et avec assez de signatures que ces personnes-là réussissent à faire une licence 2. Sinon,
eux tous ils reprennent, ils font la première année, vous comprenez. Donc les gars, c'était ça, c'était ce que je voulais vous dire. Donc voici un peu les éléments que dont vous avez besoin pour pouvoir postuler à la bourse de la Russie. Voilà, donc n'oubliez pas de liker la vidéo et il y a encore plusieurs vidéos qui sont juste là. Vous pouvez les voir rapidement, il n'y a pas de problème. Et n'oubliez pas, vous êtes sur la chaîne de Monsieur le Russe 225. Les gars, likez la vidéo, c'est très très important. Et si d'autres personnes aussi veulent voir la vidéo, essayez de partager la vidéo, ça va vraiment me faire plaisir. Donc n'oubliez pas, on traduit aussi les documents et aussi on aide les étudiants à pouvoir postuler. Donc à plus les gars et surtout, prenez soin de vous, à plus. Thank you.